gagnant de Koh-Lanta, monsieur Thibault. Oh là oh 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 oh, calmez-vous, calmez-vous, il a battu une Belge, on va pas non plus lui faire un accueil de fou. Ah si, il mérite, il mérite. Il y a le français qui est content. Ouais, mais elle était trop forte. Comment ça va? Tu vois, Jeff, le français de l'équipe est en train de mourir en direct parce qu'il t'a trop bien accueilli. Bah, parce qu'il m'a offert du bonheur mardi soir, Thibault. Il m'a offert du bonheur, voilà, c'est bien. Thibault, bravo, bravo, merci. Félicitations de la part de la Belgique, tu vois, on n'est pas rancunier. Donc tu es gagnant de Koh-Lanta, la tribu maudite. On le disait, vous étiez tous les deux très méritants. Oui. Ouais, grave. Oui, énormément, ouais. Ouais. On était beaucoup d'aventuriers très méritants cette saison, je trouve. Ouais, franchement, particulièrement, ouais. Particulièrement Charlotte, c'était vraiment, elle a bien défendu les couleurs de votre pays. Elle a gagné vraiment pas mal d'épreuves et elle était tout le temps à fond dans tout ce qu'elle faisait. Et, vraiment une très belle personne. J'ai eu énormément de fierté de gagner au niveau des votes face à elle. Bon, et pour les poteaux, c'était quasi sûr de toute façon, avant même d'arriver sur l'épreuve, je savais que... Bah, c'est ça, mais la morphologie féminine, ça rend quand même le truc plus facile pour les filles que pour les mecs. Plus petits pieds, ouais, c'est sûr. C'est logique. Alors, elle a quand même des grands pieds pour... je voudrais que vous lui demandiez, mais je crois qu'elle a un petit truc comme ça. Alors, du coup, on avait les mêmes tableaux, les mêmes tablettes de bois. On était un petit peu dans la même tranche, donc elle avait un léger avantage, mais vraiment maigre. Hein. Mmh. Ouais, d'accord. Par contre, elle avait, elle fait de la boxe thaï, donc du coup l'habitude de se tenir sur un pied pour mettre des high kicks et compagnie. Donc, oui, forcément. Elle avait quelques petits avantages. Un énorme avantage. Ouais. T'avais fait tes petits calculs avant le dépouillement final à Paris, parce que bon, vous avez quoi, plusieurs mois quand même entre le conseil final et le dépouillement à Paris. Tu savais que t'allais gagner. Enfin, j'imagine que t'avais essayé de savoir. Quand même. On a quelques aventuriers qui viennent vous voir et qui vous disent t'inquiète pas, j'ai voté pour toi. D'autres qui sont aussi honnêtes et qui vous disent j'ai pas voté pour toi, c'est Charlotte. Alors voilà, quelques-uns le font, d'autres c'est un peu plus tabou, ils en parlent pas forcément. On a les grandes lignes, mais on peut jamais être sûr à 100%. D'accord. Et J'ai vu en plus Grand Seigneur que t'avais dit, Thibaut, que t'allais donner une petite partie des 100K à l'association de Charlotte, puisqu'elle jouait pour son asso Charlotte. Bien sûr, je vais marquer le coup, il faut la soutenir pour son association. Elle est, c'est une personne qui donne, je vais dire, peut-être 80% de son temps à cette association. Elle donne tout. C'est quand même important de lui renvoyer l'appareil pour son geste qu'elle a fait de me choisir. C'est beau. Oui, c'est vrai. Bravo, Seigneur. Bravo. Voilà, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'elle a pris un énorme risque en me choisissant. Alors, peut-être qu'il y avait un léger affect envers moi supplémentaire par rapport à Iliès, mais elle savait quand même qu'au niveau des votes, ensuite, elle risquait plus face à moi que face à Iliès. Donc, qui était aussi un aventurier hors pair et très apprécié, mais c'est vrai que j'avais quand même la gentillesse de tous les aventuriers par rapport au fait que je nourrissais la tribu, que je pensais tout le temps aux autres. Donc voilà. Mais tu nourrissais pas la tribu, tu faisais un open bar. C'était. C'était clair. Il ramenait 15 poissons à chaque fois. Je vidais la mer et Justin s'occupait de nous faire des plats gastronomiques pour sublimer tout ça. Ouais. C'est très bien. Il s'est passé combien de temps entre le dernier conseil et le prime qu'on a eu mardi soir dans la réalité? Quasiment 6 mois. Oh, on est rentré le 2 juin. On est rentré le 2 juin, donc on est rentré à Paris le 2 juin. Je crois que le conseil a eu lieu là-bas fin mai. C'est long. Et de ce beau parcours, tu vas retenir quoi? Vraiment le truc que tu vas retenir toute ta vie, si ce n'est la victoire? Je vais retenir qu'en ayant été bienveillant et généreux avec les autres, ils me l'ont rendu. Ton nom n'est pas sorti une seule fois sur un bulletin. Oui. Que à la fin, que pour la finale. D'accord. C'est ça. Donc t'es content et puis en plus t'es resté intègre et fidèle à tes valeurs quoi. Et on peut gagner, on peut aller au bout sans être forcément trop stratège comme certains gagnants l'ont été. Est-ce que t'as reçu, moi ça m'intéresse, des messages de félicitations d'anciennes légendes sur tes réseaux sociaux? Je sais pas, des Claude, des Théora ou d'autres? Vous l'avez dit, Hugo bien sûr forcément, Frédéric puisqu'il est avec nous. Mais d'avoir un message de Théora, pour moi ça a été... une deuxième victoire. C'est quand même un aventurier que j'admire, que je respecte énormément.
Et j'ai eu aussi, bien sûr, Nicolas, qui était corse. Bon, il ne l'avait pas gagné, mais il était allé en finale au poteau. Trop bien. Et du coup, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, plein d'aventuriers, plein d'autres grands aventuriers m'ont envoyé des messages. Ça a été vraiment très, très appréciable. Alors, Thibaut, moi, j'avais une question que j'estime hyper importante. On va parler bouffe un petit peu. Une fois que vous avez fini les poteaux, ou même ceux qui sont éliminés de l'orientation, par exemple, est-ce qu'on vous donne à manger ou est-ce que vous devez quand même attendre la fin du conseil ? Alors, quand on arrête les poteaux, on fait un passage par, on a fait un passage par le camp. Mm-hmm. On retourne sur le camp. Ouais. On démonte un peu la cabane. On rend un peu à Dame Nature son état original. On range un peu le camp, voilà, pour faire la séquence logique des choses, voilà. Et ensuite, on repart. Donc, on attend la nuit pour repartir sur le conseil. Et à ce moment-là, oui, ils nous font un petit réassort en nourriture, mais vraiment juste de quoi nous faire attendre la fin du conseil. Ouais, mais ils pourraient quand même mettre un truc sur votre campement quand vous revenez après les poteaux. Putain, je sais pas, une bouteille de Banga, un papier brossard, un papier, je sais pas. Mais... aurait bien trinqué, ouais. Parce que ça doit être long, tu dois attendre que ça après les poteaux. Ouais, c'est long, mais bon, on sait qu'on est près du but, alors on a l'adrénaline, on sait qu'on est les deux finalistes, on a qu'une seule hâte, c'est retrouver tous les aventuriers pour fêter ça, voilà. Et justement, après le conseil. Ouais, mais quand vous êtes rentré après en France, donc le 2 juin, c'est quoi le premier truc, t'arrives sur ton île, le premier truc, t'as dit, faut que je bouffe ça tout de suite, ça m'a manqué. Ben, alors, étonnamment, je suis quelqu'un qui mange salé. Mais là, j'avais tellement envie de sucre. Alors, ouais. Je parle pas de passer au passage de Singapour, Paris, tout ça. Bon, on a fait des repas normaux. Ouais. Mais quand je suis arrivé en Corse, moi, j'ai mon cousin qui a une boulangerie bio et qui fait des super brioches, des super suisses, des viennoiseries, des trucs comme ça. Et mon frère et ma famille avaient préparé un plateau énorme de ce genre de choses. Je leur avais dit que je voulais ces produits-là. Et je me suis comme on dit chez moi, pétché, je me suis rempli le ventre. Mais on se fait très mal au ventre. Hein, Oui, c'était le corps n'est plus habitué, tu m'étonnes. Tu fais partie des grands gagnants. Est-ce que tu auras envie de revenir si on te propose de revenir sur Koh-Lanta ou alors faire une autre émission? Oui. Tu reviens direct? Oui, carrément. Ouais. Des émissions liées un peu à la survie, tout ça, ou voilà, un peu la vie en communauté et tout. Ouais, carrément, je suis chaud patate. Ah, trop cool. Ouais. Dernière question, quand on gagne Koh-Lanta, est-ce qu'on repart d'office avec le numéro de Denis Brognard en plus des 100K? Bonne question. Avec le numéro de Denis Brognard? Ouais. Non, pas le numéro, mais bon, je pense que là, du coup, on peut lui envoyer un message et il va y répondre. Oh, trop bien. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été. Thibaut, Thomas d'avoir été avec nous. Thibaut, alors, faut que je te dise que depuis le début de l'aventure, je t'appelle Thomas. Je sais pas pourquoi, t'as une tête de Thomas. Je suis pas sûr que t'as déjà dit, mais. Mais c'était très cool. C'était très cool. Bah, c'est rare d'avoir un corps sur Énergie Belgique. Et moi, c'est mon premier gagnant parce que depuis 25 ans que ça existe cette émission, je n'avais jamais regardé Koh-Lanta, je l'avoue, et c'est la première fois de ma vie que j'ai regardé en entier, du début à la fin, donc t'es mon premier gagnant. Il y a beaucoup de Belges qui adorent la Corse, on a énormément de touristes belges, oui. Et j'invite encore à venir en vacances chez nous, c'est une région magnifique. Ah ben oui. Et on adore la mentalité belge. Avec grand plaisir, bravo. Vous prenez pas trop au sérieux, vous êtes cool. Ah, et c'est ça qu'on aime. Non, peu de sérieux, mais beaucoup de bière, c'est la mentalité. Et on sait bien perdre. Oui, on est beaucoup perdants. je t'embrasse, Thibaut, c'était un plaisir de t'avoir. Bravo. Mike. Sur Énergie. 16h-19h. 16h-19h. Sur Énergie.